Okay. Good afternoon, everybody. Thank you so much for being here on this another beautiful, but it's getting a little cold day. Here's a switch. Merci d'être venu. Aujourd'hui, c'est une autre belle journée, mais il fait un petit peu froid quand même. Just two, right? Okay, great. My name is Tom Flanagan, and I'm the new superintendent in Burlington, and I just moved here in July from Providence, Rhode Island. So it's in a girl it's called Tom. Hama akaba ari umuyobozi mukuru w'amashuri yose ya Burlington mushasha ngaha ahandi mu gisagara tubamo hama aje yimukira ava Providence bita Providence muri Massachusetts Rhode Island close though, very close. bonjour, mon nom est Tom Flanagan, je suis le nouvel superintendant ou le nouveau surintendant. Je viens juste d'emménager ici au Vermont. Il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juillet. Et je viens de Providence. C'est dans l'état de Rhode Island. And before that, I lived in Washington D.C. And now, very excited to live here in Burlington, and I have three children, twin girls who will be going to Flynn, and a sixth grader who will be going to Hunt Middle School. Mbere yaho naba muri Washington DC, mfise abana batatu, hama nararyohewe cyane, kandi ndaryohewe cyane kuba nimukiye muri igisagara cya Burlington. Ama bana banje bazobara ngo nyine bazanga ku ishuri, bamwe bazaja kuri Flynn. And I'm going to also ask the team... Je suis très content d'être ici, mais avant de venir ici, j'étais à Washington DC, et j'ai trois enfants, et donc j'ai quelques enfants qui seront à Flynn, et il y a un autre enfant ou deux qui seront à Hunt Middle School. And now I'd like to have the team. I'm here with the team. I think you know many of the team, I'm sure, but have everyone introduce themselves. So, Miriam, do you want to start? Sure. So, I'm going to start with the team. I'm going to start with Miriam. Hi, everyone. Je suis avec une équipe, et on va vous parler aujourd'hui. Et avant de commencer, est-ce que l'équipe voudrait bien dire quelque chose? Hi everyone, my name is Miriam. Hi. My job is to work with all of the teachers and the staff who are teaching English to students who speak another language. I also work with their parents, and I know many of you, some of you from Parent University. Thank you so much for coming this afternoon. Akatsina kanje nitwa Miriam, hama nkorana n'abavyeyi benshi bafise abana biga icyongereza ngaho mu mashuri ya Burlington, hama nkorana kandi n'igisata cya Parent University, nacyo nyine kaba gikorera muri iki gisata cya Burlington. Abavyeyi bamwe bari hano, benshi muri mwe bindabazi, kandi ndasubiye kuryoherwa kubabona kandi muri aka kanya. Alicia, mbabarira, umusabire Miriam yegere mikoro. I said I'm Miriam, and I work with the teachers and the multilingual liaisons. I should have said that. And all the people in Burlington who are helping students learn English
as a second or additional language. Students who already speak another language and are learning English. I work with their parents as well, and I know some of you from Carr University. Thank you so much for being here. Mon nom est Myriam. Je travaille avec les familles qui ont des enfants qui apprennent de l'anglais. Et je suis très content de vous voir aujourd'hui. Et je reconnais certains d'entre vous à travers le Parent University. Et merci d'être venu aujourd'hui. Je suis content de vous voir. Today, we wanted to talk to you about and give you information about the reopening of schools. So we'll talk through everything around the reopening of schools, and we will also have time for questions. Uyu munsi twakoranye hamwe kugira ngo ushobore kubabwira ku byerekeye iyugururwa ry'amashuri kuri uyu mwaka hama haraza kugera igihe nza kubasaba ko niba mufite ibibazo mushobora kubibaza ariko ndatangura ndababwira ibyerekeye ngera amashuri azokugurirwa muri uyu mwaka wa 2021. Aujourd'hui nous nous sommes rencontrés pour parler de la réouverture des écoles. Et donc on va parler de ça, mais si vous avez des questions, bien sûr vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. So since last March, there has been a task force that has been working on reopening that has had about 16 people and then about 12 different work groups. So people have been working really hard on planning to make sure that we can come back to school safely since March. Kuva uyu mwaka utangura arabaye umugwi batoye mu ishuri kugira ngo ushire hamwe ibyugururwa by'iri shuri. Uwo mugwi ukabugizwe n'abantu 16 hamabo bose bakaba bakoreye hamwe kugira ngo bashobore kugira uyu mwaka tuzotangura uzokugurirwe neza kandi ugurirwe mu mutekano. Nous avons travaillé, nous avons une équipe qui s'occupe spécialement de la réouverture de l'école. C'est ce que nous avons appelé Task Force. Et cette équipe travaille très très fort pour assurer que la réouverture des écoles se passe très très bien. And so this group has been prioritizing and making sure that we're focusing on coming back to school safely and making sure that students are learning because we know a lot of learning was missed in the spring when we had to go away. Hama uyu mugwi yashize hamwe kugira ngo bazofashe abana kwiga neza kandi bamenye yuko igihe abana bazotangura ishuri nubwo bazogenda iminsi mike mu ishuri bazokwiga muri iyo minsi ya bazoja ku ishuri. Niyo mpamvu bashyize hamwe uwo mugwi kugira ngo wigire hamwe ibyo bashobora gukora cyangwa ukuntu bashobora gukora kugira ngo amashuri y'abana agende neza nk'uko yaranze. Donc nous avons avec cette équipe nous sommes assurés que la réouverture de l'école où des écoles se passent de manière très sécuritaire et aussi nous sommes conscients que quand l'école s'est arrêtée, les écoles ont fermé, il y a eu beaucoup de choses que les étudiants ont manqué. Donc on a travaillé sur ça, sur la réouverture sécuritaire des écoles, mais aussi pour aider les élèves à mieux apprendre. And the infection rates for COVID in Vermont are very low. And so we do feel like we can come back to school. We know we can come back to school safely, but we have to make sure that we follow some really specific practices to make sure that we're safe. So we'll talk through those today. Hama kubera abantu baba barafashwe na kijya kiza gisha cy'ingwara mwumva mwese atari benshi cyane muri Vermont, niyo mpamvu bashyizeho uyu mugwi kugira ngo abana bashobore gushika kujya ku ishuri, kuko bibaza yuko nimba bizobandanya nk'uko bimeze abana ntibazoshobora
gufatwa n'izingwara ariko nubwo se babitse ko bimeze gutyo bashatse kubikora kandi bazobikorana ubwenge bwinshi kugira ngo ntihagire abana na bamwe bashobora kugwarira ku ishuri nubwo se babona ko byose bimeze neza bategereza kubikorana bakoze kwibaza cyane kugira ngo ntihagire umwana ugwariraho niyo mpamvu bashitse umugira ngo bakurikirane kugira bashobora gukora kugira ngo ingwara ntizibandanye zikwiragirana mu mashuri cyangwa igihe abana bari mu mashuri. Nous savons très bien que le niveau d'infection est très bas, mais nous avons travaillé très fort pour s'assurer quand même que quand on rouvre les écoles, ça soit très sécuritaire. So we are, as we plan for reopening, we are following the Vermont Department of Health and the Vermont Agency of Education guidelines that tell us we should come back to school in person and follow some specific rules. Hama imbere yuko twese twashoboye gusubira ku ishuri nuko twabanjije kubaza ibyerekeye igisata cy'amagara y'abantu ukuntu bibaza yuko dushobora gusubira ku ishuri baravuga kubwo abagwayi cyangwa abagwayi ari bake dushobora gushobora gushuri ntihagire ikibazo na kimwe gishobora kuhaba ariko nubwo se turekure gusubirayo hari ibintu byinshi utegereza gukurikiza kugira ngo abana babandanye kugira amagara meza ivyo rero twagomba kubabwira ko ari byo tuzakurikiza kandi nibyo tuza kuvugira ko ku uyu munsi. Nous voudrions que vous sachiez que nous n'avons pas décidé seuls à rouvrir les écoles. C'est à travers le département de santé du Vermont et le département d'éducation du Vermont qui ont approuvé que c'était sécuritaire que les enfants retournent à l'école en personne. Nous avons travaillé ensemble pour s'assurer que tout se passe de manière très sécuritaire. So some of the things that we will do is we're going to make sure that we, as much as we can, we keep classes of students together so that students are not crossing over multiple grade levels. They'll stay together as a class. And their seats will be a little further apart than normal and facing forward. Hama kubera ibyo niyo mpamvu abana ubu mu kujya mu ishuri bazoguma mu ishuri bazoba bashizemo kandi bazoguma mu kibanza kimwe simwe bya kera usanga abana bava mu ishuri bajya mu rindi hama mu byicariro byabo canke mu ntebe bazoba shiraho hazoba umwanya munini hagati y'intebe imwe n'iyindi hama bose bazokwicara baraba imbere y'umugisha azobari ntabyo gusohoka canke guhindura ikibanza igihe cyose abana bazoba bari mu ishuri. En faisant ceci, on va s'assurer que les élèves, que les étudiants restent dans leur groupe ou dans leur classe. Et quand les étudiants seront dans leur classe, on va s'assurer qu'il y ait une distance assez normale ou une distance qui est demandée, que tout le monde doit accepter ou doit respecter. On va s'assurer qu'il y ait cette distance entre les étudiants eux-mêmes, mais aussi entre les étudiants et leurs professeurs. And then we will also be doing health screenings. So we will check everybody's temperature before they come in. And all students will wear a mask. So everyone's wearing their mask and also lots of hand washing to make sure that our hands are staying clean. Hama niyo mpamvu igihe cyose abana imbere ko baza ku ishuri bazotegerezwa kuza ari ibibazo bazoba baza no kuba ari abayi ko badashobora kuba bagwaye imbere y'uko baninjira mu ishuri hama mu gihe cyose abana bazoba ku ishuri bazokoza amaboko yabo kenshi cyane bari mu ishuri kandi hari byinshi bindi bazokurikiza kugira ngo bamenye yuko abana batagwaye kandi atangwana na zimwe ariko barazana mu gihe cyose bazoba bari mu ishuri. Mais aussi avant que les cours commencent ou les écoles commencent chaque matin, on va s'assurer qu'il y ait une sorte de test. Donc on va vérifier s'il n'y a pas de problème, si la santé des enfants est bonne. Et puis après on va s'assurer que les enfants lavent leurs mains chaque fois, donc pour s'assurer que le côté santé est respecté.
And we will be allowing home, and we will be allowing screenings to happen, those health screenings to happen at home, and also we will be doing them at school. And one of the things is we're looking for is to make sure that there's no temperature. So if a student has a 100.4 degree temperature, they won't be able to come into school. Hama ikurikizwe gukuraba bana ko batagwaye cyangwa kuraba ko badafise ubushuhe imbere ko baza ku ishuri bana bazoshobora kubikorera ku ishuri cyangwa abavyeyi bonyine bashobora kubikorera giye abana bakiri mu rugo hama igihe umwana wese aje ku ishuri afise ubushuhe buri hejuru y'ijana na kane bisigura ngo aragwaye umwana ntazore kuruka kwinjira mu ishuri. Donc en faisant les tests à l'école avant que les enfants ne commencent leur cours, on va aussi s'assurer que les mêmes tests ou les mêmes screenings se fassent à la maison en même temps. Donc, par exemple, si un enfant, si la température de l'enfant est de 104 et plus, à ce moment-là, on va décider que l'enfant ne vienne pas à l'école. And if a student does have a temperature and they're with a with a parent or someone who can take them home, then you would take them home. If not, we will have people outside who will call the family and help to make sure that they get picked up. Igihe bishitse ku mwana aza ku ishuri agafise ubushuhe buri hejuru y'ijana na kane nk'uko babivuze, igihe umwana azoba yazanira umubyeyi wiwe ubwo nyine umwavyeyi ategetswe guca atanu umwana mu rugo. Bishitse ko uwo mwana yaje wenyine atamubyeyi ahari, hazoba hari umugwi w'abantu uzoba uri hanze y'ishuri ujejwe guca uhamagara ababyeyi kugira ngo batane umwana imbere y'uko ashobora kwinjira ngo abane n'abandi mu ishuri. And the Department of Health si, is so... Sorry. Si par exemple la température, on se rend compte que la température de l'enfant est haute et que l'enfant est venu avec un de ses parents ou ses parents, les parents ou le parent peuvent retourner avec l'enfant à la maison. Si les parents ne sont pas là, à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui va être là et qui s'assurera que l'enfant soit transporté à la maison. And if you are sick, we will, our school nurses and our team will work with you to make sure that you have the right information, your nurses and your liaisons. If anyone does have COVID and test positive, they have to stay home until they're symptom-free for 10 days and have no more fever. Hama bishitse yuko umwana ashobora kuba afise ubushuhe bashitse ku ishuri. Uwo mwana azosabwa hari abaganga n'ababijejwe bazo bari ku ishuri kugira ngo babwire umubyeyi ibyo ashobora gukora n'ingene ashobora gufasha umwana. Hama igihe umwana atashe bizosaba yuko bishitse ko umwana bamufata amateste bagasanga ko agwaye ategerezwa kuzoguma muhira iminsi icumi. Hama kandi bakamenya yuko igihe agarutse nta bushuhe afise cyangwa bijya byerekana yuko umuntu ashobora kuba afise ijya ndwara ya coronavirus bamaze igihe bavuga. Notre bureau de santé à l'école va continuer, va travailler avec vous pour s'assurer que la santé de votre enfant est bonne. Si jamais le test de l'enfant s'avère positif, à ce moment-là, l'enfant devra être retourné à la maison et rester à la maison pendant 10 jours et ne revenir que quand la température aura baissé. And we had summer school this summer at 5 different sites, and it was a smaller group of students, but we were successful. Nobody got sick this summer by using these safety measures. You want me to try again? Please. She threw her phone behind you, Tom. Oh, is that? It's okay. There's a movie moment. So we had summer school this summer, and at 5 different sites, not as many students at each site, but it was a good test, it was a good practice for us. And we did these safety measures and nobody got sick at our schools this summer. So we feel like we can do this this school year. Hama mu gihe cy'umuce abana baragiye ku ishuri,
hamabana bose bagiye ku ishuri n'abigisha bari bari kumwe nta muntu n'umwegeza gwara so kuri ubwo twibaza kujya abavyeyi canke abigisha bafasha abana canke kujya bijya bakurikije bazobikurikiza kandi kugira ngo ntihagire umuntu n'umwagwara kandi bizera kujya byabaye muci ariko uyu mwaka uzomera igihe abana bazosubira mu mashuri. Non, nous avons eu le summer school cette année et apparemment ça s'est bien passé, personne n'est tombé malade. Et on va s'assurer que la prochaine fois qu'on a un summer school, ça se passe de la même manière, mais on va travailler ensemble, toujours bien sûr. So I'll stop there and ask if you have any questions up to this part, and then I have more information and we can talk more about what the school day will look like. Jusqu'à là, je voudrais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et après on pourra donc parler d'autre chose. J'ai d'autres choses à vous parler et donc voilà. My name is Celeste and I have four children, twin sons. I have twin boys too at Flynn and one in middle school and another in high school. I want just to come and thank you, by the way, for making an effort to come to us to meet us. We really appreciate that. And to jump right in, the question is, your experience during summer school, I think it's a very good news. As a parent, we don't have a lot of questions. And my question is, what was like the size of the class during the summer school? Versus what it will be in fall, because as far as I am concerned, I think density is one of the key things we are like trying to look closely for this period of the condition. Yep. Mm-hmm. Do you want to say the question, or should I respond? So I can summarize the question again. Okay. I'm trying just to look at the difference size-wise during summer experience. Mm-hmm. And what it will be on in fall, mm-hmm. because as far as I am concerned, like the density is something we have to look closely. Is that about the same number of the students you are spreading in the class? Ikibazo abajije avuze ati mwavuze yuko mu gihe cyo muci abana baje kushurika nta numwe yagwaye ariko abana baza muci bari bakeyi uravye kubazoza ku uyu mwaka baje kushuri bazo bari benshi none mwibaza yuko muzobifata mu gute ko abana bazozira kimwe na kimwe hari ibintu mufise canke ari ukuntu mwibaza ko muzofasha abana kugira ngo ntibagware canke ibyo muzokurikiza mwabonye vyakoze mu gihe mwari bari muci. La question qu'il a posée, il a dit, c'est vrai que vous nous dites que le summer school qui vient de se terminer, il n'y a pas eu d'infection, il n'y a pas eu de malade, mais quand même, c'était pas beaucoup d'enfants, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais maintenant, il va y avoir beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. Est-ce que vous avez des mesures prises pour que justement il n'y ait pas d'infection puisqu'il y aura beaucoup d'enfants à ce moment-ci. So in the summer I don't know the average number of the class size, but I visited classes and I saw probably 5 to 10 students in a class. I bet it was in my head probably about 7. When we come back to school, the guidance from the agency of education was 6 feet, and now it's 3 to 6 feet. So we are probably going to end up with between 13 and 15, maybe 16 students in each classroom, which is more than summer, but still less than a normal classroom.
hejuru ku mwishuri aramubwira ati mu gihe cyo muri muci abana bari mu ishuri nibaza ko bari hagati y'indwi na cumi nibo bari mu ishuri nibutse abo nabonye ariko rero muri uyu mwaka igisata cy'amashuri cyaravutse yuko hashobora kuba hari hagati isantimetero zitatu n'isantimetero zitero zitandatu simwe bavuga gusa isantimetero zitandatu so kuri ubwo nibaza ku ishuri ry'ubu rizo barimo hagati y'abana 13 bari benshi bizoba 15 bisigura ngo abana bazoba bari bake mu ishuri kuta uko bari bameze kare nibazo babicagitigiri bare bana bari mu ishuri nubwo so ishuri ryagumye ari kwa kundi nyene hama bazo batandukanye igihe bazo babicaye. Je ne sais pas très bien le nombre d'enfants qu'il y avait dans le Stamaskour, mais d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il y avait peut-être une dizaine d'étudiants dans une classe. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va y avoir entre 12, 13 ou 16 étudiants dans une classe. Et dans cette classe, les enfants seront séparés, donc il va y avoir les étudiants. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va aider à les protéger. Et puis on va faire en sorte qu'on va s'assurer que tout se passe très bien. And a normal class size would be around 22, between 20 and 25. And so it is still fewer students, but more than in the summertime. And students are going to go to school on A or B day, so Monday or Thursday, or Tuesday or Friday. But we did give the option for students who are learning English and students who have special education needs to go to school 4 days a week. So that's what makes it more than half. Ahama aciye yongera ko yuko kuri uyu mwaka nubwo se abana bazo bari 13 kuri 15 kare ishuri rye bari mu hagati y'abana 20 na 25 so abana bazo bari bake kurutwo bari bameze kare hama abana bazogenda ku ishuri kabiri mu ndwi kuwa mbere no kuwa kane cyangwa kuwa kabiri no kuwa gatanu ariko ku banyeshuri ariko batangura kwigisha icyongereza abo bo bari kure ko bashobora kugenda kane cyangwa abana bari kuma batafise amashuri akwiriye dufate bari mu icumi barategereza kuba mu icenda cyangwa bafise ingorane mu ishuri basaba ubufashwa abo nabo nyine bashatse ababyeyi babo bashobora gutwara abo bana kane mu ndwi so kuri ibyo bizosaba ko abana ntibazoba bangana babandi ariko bizo abana bazoba bari igitigiri kizoba kiri hasi kuruta ko abana barategereza kuba bari mu ishuri mu bihe bisanzwe. En temps normal, c'est entre 22 et 25 étudiants. Mais cette année, ça va être réduit à cause de l'expérience que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous savez qu'il y aura des enfants qui vont aller à l'école soit les lundis et les jeudis, ou soit les vendredis, les mardis et les vendredis. Donc les enfants, le nombre d'enfants sera minimal. Et c'est vrai que les enfants qui sont dans le programme de IEP ou les enfants qui apprennent encore de l'anglais, qui sont dans le EL Department, ces enfants vont aller à l'école quatre jours par semaine. Leur nombre sera réduit par rapport au nombre régulier ou normal, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Can I ask just one to close up? Apparently, to my understanding, based on the positive experience you have on summer, you're trying to duplicate that in fall, and within the configuration of how the class are sitting. But the numbers are showing that the density has increased, so which is like different from what you have done in summer. And what have you done or projected to do differently to expect the same result from summer, since the condition that creates the atmosphere like favorable to
coronavirus, even if it's like you follow the regulation, has like not improved, or could you advocate it for like staying at the standard you had in the summer, in the fall, so you can expect the same result? Yeah. So because there is a change from summer to now, to Tom, when we start school. So yarabagije yego mbacha yishura ubwo nyene yavuze ati none ko mwavuze yuko mwize muci mukaraba ivyakoze ninge nabana batigize bagwana mukavuga ko ari byo muzokora muri kigihe hari ibintu mwibaza yuko mu mutwe wanyu mwabonye ko biriko birafasha kugira ngo abana nibagware canke mwize kuri ya mwanya mwibaza ko muzozana muri kigihe abana baje ari benshi bigakora kwa ku nyene byakoze igihe abana bari bake mu ishuri. La question qui a été posée, c'est par rapport au summer school. Vous avez dit que il n'y a pas eu d'infection, il n'y a pas eu de malade. Mais est-ce que maintenant ça sera le même cas, parce qu'on va avoir beaucoup plus d'étudiants. Quels sont les mesures que vous avez prises pendant le summer school que vous allez reprendre maintenant quand il va y avoir beaucoup plus d'étudiants? Je peux paraphraser, puisque c'est moi qui... I can't speak French, so I can't speak okay. them. En fait, ce que j'ai voulu savoir, ils ont fait un excellent travail pendant le summer avec les classes qu'ils avaient. Et ils pensent que par rapport à la manière dont ils ont conduit le summer school, ils vont utiliser la même expérience dans le fall pour espérer qu'il n'y ait pas de maladie. Et je leur ai donc posé la question, puisque pendant le summer school, le nombre d'enfants était réduit, la densité, donc la différence, l'écart entre les enfants était plus grand, mais pour fall, l'écart vous avez réduit, le nombre d'étudiants sont plus importants. Qu'est-ce que vous allez faire qui est différent par rapport à ce qui a été fait dans le summer pour espérer avoir les mêmes résultats, puisque ce ne sont pas les mêmes conditions transposables. Là-bas, c'était des meilleures conditions et au fond, ils sont plus ensemble. Mais qu'est-ce que vous allez faire qui est un peu différent pour que vous espérez avoir les mêmes résultats que vous avez eu au summer? Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Bien, I think she was going to ask a question to him. Oh. She said, so I was like, you're going to answer, and then maybe if she has a question, she will ask you the question. Yeah, I think a couple things. We've had more time to see what the disease looks like, so we understand the disease better. And we feel like we've talked to a number of local doctors, local pediatricians. They're actually telling us in K-5, we should be all back in school. A bunch of the pediatricians that we've talked to, they've been telling us, go back to school full time. But we said, we still need to be conservative. We can do more than we did in summer, but we need to be conservative and make sure that we're ready for the health screening, for being able to have distance. Distance is important, but it's not the only thing. It's mask, it's hand washing, it's some distance, but with the infection rates so low, the doctors are telling us you guys should be going back to school. So that's really the big difference is we've learned and we have some better systems, but we are going to have more students in the classroom. How comfortable do you feel with it? I feel a little nervous for my twins and for my sixth grader, but I feel confident that we can do this safely. My kids are going to be here. I'm going to be here, and I'm going to be watching every day. What are the numbers? What do they look like? If they go the wrong, if we start seeing more infections, then we have to take a different route. But
we're not seeing them happen in school. We're seeing them happen in the community. So we can see them before they come in to school, I believe. And my kids will be here. So, yep. Hama Arisho yaravuga ati yaravuganye n'abaganga b'abana baravuga ati kuva muri gardienne gushika mu gatanu nta kibazo abana bashobora kuja ku ishuri kandi nta kibazo kizobaho. Hama rika aravuga ati si kwambara gusa mask bisaba. Birasaba koza amaboko, birasaba ko wigirwa imbere, birasaba ko utica naso. Hari ibindi bintu byinshi ariko bivanye ku by'abaganga bamaze kubona ngaha ku bana batoye nta kibazo na kimwe nta n'umwe aragwara, barabona ko abana bashobora kuja ku ishuri. Ariko we yibaza yuko si byiza ko yoca avuga ko bavuze ko byose bimeze neza ce ndungika abana banje ko abana banje bazaba bari ngaha fise amahasa azoba ariko arigira ngaha kuri Flynn. So nanje nk'umubyeyi ndacumva ubwoba gato ariko ntegezwa kubarekura bukebuke. Hama igihe tuzobona ko bimeze neza tuzogira ibyo batubwiye. Igihe tuzobona ko abantu batangiye kugwara aho niho tuzaca tufata iyindi nzira nshasha twibaza ko ishobora gufasha abana. Ariko kuri ubu nibaza ko bizomera neza. Kandi ikindi kintu twabonye muri Vermont ni uko indwara ntizitangurira ku ishuri, zitangurira muhira. So bisigura ngo umuntu agwaye tuzomumenya imbere n'uko ashika ngaha. Kuko igihe byaba mwaravyubonye muhira niho bitangura, hama abana baza gushikirwa mu nyuma. So kubwo ko twamaze kubibona, igihe abana bazoba bari ngaha tuzomenya ingene tu. Sindi yumva neza ko ndazi yuko byose bizomera neza. Igihe bitameze neza nzoba ndiko ndabirabisha amaso yanje, nzoba ndi ku mashuri. Hama igihe bizoba nabi tuzofata inzira ubwo nyene. Nos autorités locales, mais surtout les pédiatres, donc les docteurs des enfants, nous ont dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour les enfants, surtout qui sont dans le kindergarten jusqu'en cinquième année. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais nous leur avons répondu que nous devons quand même faire en sorte que tout se passe bien. Nous allons donc essayer d'être conservateurs. Nous comprenons ce que vous nous dites, qu'il ne devrait pas y avoir de problème, mais nous, on veut s'assurer à 100% que les choses se passent bien pour nos enfants. Donc, on va suivre de très près comment les choses évoluent. Nous sommes sûrs qu'à la maison, les parents vont faire leur travail, ils vont suivre leurs enfants de près et ils vont communiquer avec nous. Nous aussi à l'école, on va faire la même chose. Et moi, en tant que surintendant, je vais vérifier si tout se passe bien. Et si, par exemple, malheureusement, on trouve qu'il y a des infections, à ce moment-là, on va réagir en conséquence et s'assurer que les choses se passent bien en général à l'école. Pour l'école, mais aussi pour les familles. Kenshi ikibazo cyanjye ni nk'amakenga, kubera hari aho yavuze ati igihe umwana azo warengeje ubushyuhe bw'ijana na kane aho nyine azosubira muhira, bamupimye bagasanga ko agwaye yafashwe ntakazorinde iyo iminsi icumi, kuko tuzi ko bataratubwira ko hari umuti wayo. Ni igice agarutse kizokwerekana ko adashobora kwanduza abandi bana. So his question is just told us that if the temperature is above 104, the parents will have to take the child back home right away. And then if the child, the case comes out that they are, it's positive, then they will have to stay at home for 10 days. And then after the 10 days, or the quarantine time, they will have to come back home to school. How do you know exactly after the 10 days that the child may not have or may not be symptomatic to make the other kids sick in school? Yeah, it is. It is. La question qu'on se pose, vous nous avez dit que si on mesure la température de l'enfant, si on teste l'enfant et on se rend compte que sa température est de 104 et plus, vous nous avez dit que l'enfant va être retourné à la maison et rester à la maison pendant 10 jours et ne revenir à l'école que quand la température aura
blessés. Mais on sait qu'il n'y a pas encore eu de vaccin pour cette maladie. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui va vraiment vous assurer que l'enfant est guéri après ces 10 jours? So if I think I may not have been clear enough. If a person is positive for COVID, they are 10 days after their last symptom. So you have to have no symptoms for 10 days. So you could be sick for a week, 2 weeks, and then 10 days after that. And the Department of Health is going to be working closely with us and with in any case where someone is positive. And I think that because our numbers are so low in Vermont, they are able to stay on top of and support people who become positive. So if you tell me that you could talk about any of these things, and I would say, no, umunyu shuraje, ugasanga aragwaye, hama muri cho gihe agatamuruko. Muyo misi cumi bisigura ngo nta kintu na kimwe cerekana yuko agwaye ubushuhe bwe bumeze neza ibintu byose byerekana muyo misi cumi ari muhira ategetswe imbere ko agaruka. Can you guys hear me? Yeah. Mm-hmm. Oh, great. So imbere ko agaruka ategetswe kuba ameze neza yakize. Hama kubera dufise abagwayi bake muri Vermont igisata cy'amagara kirakurikirana kizoza kiratubwira ko uwo muntu bibaza yuko yoba ameze neza imbere ko asubira ku ishuri. Kuko bazomukurikirana uwo muntu ko bafise abantu bake bariko barakurikirana. So igihe bamaze kugwara bazoza baravugana n'ishuri hagati y'igisata cy'amagara umuryango w'uwo mwana agwaye hamwe n'ishuri mbere yuko bari kuba umwana agaruka ku ishuri. So she has three questions. Icya mbere nico wagombye gusubiramo ibyo yavuze wavuze igitugende kimwe kimwe. Ibara nakimenye ubuko. Navuze ngiri yakwiriki cyo yabagije. Yavuze ati umwana arinza, umwana basanga afite injana na kandi injana n'ibice bibiri. Ndashima nate afise ndacyiruze. Eza. Ariko andre none ubwo bushuhe gusa ubwo bwose bwerekana ko afise bayiru
So I want to follow up with the other question. You say that if a child, if a parent drops off a child and the temperature is above 104, that child will have to go back home right away. But what does that make you know that the child has COVID or anything to do with COVID? They may have temperature because of something else. Right. Does that mean that do we have to send the child to the hospital and then they have to confirm it was COVID or something else? May they come back to school without waiting the 10 days that you said for them to stay in quarantine? Yeah, so this act. Sorry. Donc, vous nous avez dit que l'enfant, si l'enfant a 100, si c'est la température de l'enfant est de 104 et plus, l'enfant devra être renvoyé à la maison. Et donc, l'école va peut-être assumer que l'enfant est positif du coronavirus. Mais si il peut y avoir beaucoup de raisons que l'enfant soit malade, soit ait ce genre de température. Et si l'enfant, on l'envoie à l'hôpital et que on trouve que c'est une maladie différente, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va toujours rester le cas du coronavirus ou qu'est-ce que vous en dites? So if it's 100.4, ijana nibice bine apani ijana na kane. Okay. But we will have students who will have temperatures of 100.4 who are not positive, who are negative. But one of the big things is the big rules here to keep everybody safe is to not come to school sick or with a temperature, because we don't know. So we will ask families to reach out to their doctor if that happens. And that did happen this summer, where students came with a temperature, they reached out to the doctor, they did not have COVID. So I think that will happen this spring, and it doesn't mean you have to go to the hospital, but you have to connect with your doctor. So avuze yuko no mu gihe cyo muci byarashitse ko hari umunyeshuri yaje afite ubushuhe buri jana n'ibice bine kujya hejuru. Ibyo igihe byashitse ntibisigura ko uwo mwana yararwaye. Icyo bacye basaba ni uko uwo mwana yategereza kuca agenda kwa muganga kugira ngo barabe impamvu nki uwo mwana afite ubushuhe. Ariko ku mategeko mashasha y'uyu mwaka, ni uko igihe cyose umwana agwaye indwara iyo ari yo yose, yaba ari ubushuhe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, igihe afite ubushuhe byerekana ko umwana agwaye hari impamvu. Muri icyo gihe niyo mpamvu umubyeyi ategereza gutaha umwana imbere y'uko bamenya n'impamvu nki uwo mwana agwaye. Bisanzwe yuko agwaye ibindi bintu nta kibazo umwana asubira ku ishuri, ariko muri icyo gihe gusa umwana afite ubushuhe ntabwo ategereza kujya ku ishuri kuko yogwaza abandi cyangwa ikaba intandukiro y'uko uwo mwana ashobora kurwara. Ici donc nous devons faire très attention. Si l'enfant, si la température de l'enfant s'avère être 100.4 ou plus, ça veut dire que l'enfant est malade. Donc on doit contacter la famille. Ce que la famille doit faire, la famille doit contacter le docteur, ou l'école peut le faire aussi en même temps. Donc si la température est de 100.4 ou plus, ça veut dire que l'enfant est malade. Donc c'est à ce moment-là que le docteur ou le docteur de la famille décide, nous dit que soit l'enfant a le corona ou une autre maladie. Si nous trouvons, si le docteur nous dit que l'enfant ne souffre pas de cette maladie, du coronavirus, il n'y a pas de problème à ce moment-là, l'enfant peut retourner à l'école. The other question is, what time does school start or will be starting? School is going to start at the same time. So we 8:06, I think, is usually is about the right time. So it's around 8 o'clock, same time as usual. Start and end time is the same. Sambiri mu gitondo. Nibyo navuze ati rero
hariho ababyeyi badropinga abana hano babashikiza ngaha basigara bakina n'ababiruka nka kubuza ni ukuvuga ibyo ntibizasubira kuhaba hama rero mu gihe uzanye umwana ku ishuri hariho abo uzomushikiriza bakamufata ibyo bipimo by'umuriro mbere yuko usubira mu rugo cyangwa hazabaho ukuntu hazabaho iyindi konegisiyo wowe bishitse ukaba uri kurigira ku kazuma wasigira hama ukuntu hagati yabo. So her question is, previously we used to come, drop the kids and just keep going. For example, some parents, they have to be at work before 8. We used to leave them with other people that we take the kids, play at the, here, stay at the playground or do other things. Is that gonna happen this year? It looks like that's not gonna be the case. But also, is there a team that's gonna be there to pick up the kids, take the screening of the kids, the screening every single day before the kids go in, and in case the parent is gone, what's going to happen? Yeah, so we do have some students who will be coming. Oh. Okay, sorry. No, it's my bad. Superintendent, sorry. maintenant, les choses vont peut-être changer. Nous avions l'habitude de déposer nos enfants à 8 heures du matin, et puis à ce moment-là, puisqu'on doit aller au travail, on doit se précipiter, on laisse l'enfant à l'école, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ça va être différent, parce qu'on doit s'assurer que l'enfant est entre les bonnes mains. Est-ce qu'il va y avoir une équipe qui va s'assurer que toutes les directives ou tout ce qui doit être fait pour que l'enfant soit sécuritaire se fasse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être différent. Qu'est-ce que vous en dites? Am I answering a question? Yes. What was the question again? So the question is, when the parents drop the kids, yes, they are not supposed to go, or are they gonna just drop the kid and go? Is there a team that's gonna be taking the screening when the parents are here or when they're not here? Thank you, sorry. We are going to ask parents to come with their children to school, but parents can't go in the building. So it will be a drop-off outside of the building. And some students are coming on the bus, and some students I know can't come with their families. So we are going to have people outside. This is a hard thing for us to figure out, so every school is working to make sure there are people outside to welcome students in and to do the health screenings. So a little bit of both. It'd be good to have parents come drop off and then go, but we know sometimes that is not always possible. So avuze ati uyu mwaka byari byiza yuko abantu bazoza baraza kira shuri ryose rizoba rifise ibitandukanye amashuri bariko baravyiga ingene bazobikora ariko hazoba hari umugwi w'abantu zo buri hanze igihe umuvyeyi aje bazokwakira umwana bakamuraba yuko akomeye bakaraba ko byose bimeze neza imbere ko yinjira avuze ati ntituramenya neza ariko nibaza ko ariko bizogenda ko muzoza uramusiga ntibirekuriye ko umuvyeyi ntazo kwinjira ntabwo umubyeyi wazo kwinjira ngo ajye kwinjirana umwana hari ahantu uzomushikana hari abazomutora bakaraba ko bikwiriye umwana akinjira cyangwa ukamutahana. Nous pensons qu'il va y avoir des gens qui vont accueillir les enfants. Peut-être qu'il va y avoir d'autres gens qui vont s'occuper de tester les enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que les parents ne vont pas faire entrer les enfants dans les établissements d'école. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Il va peut-être y avoir une équipe qui va s'occuper d'accueillir les enfants. Il va peut-être y avoir une autre équipe qui va s'assurer que les enfants soient testés avant de rentrer dans leurs écoles. Mais nous sommes en train d'y travailler. So, ma question c'est que quand on va commencer l'école, la première semaine, si l'enfant est testé positif,
ça veut dire que toute la classe, est-ce qu'on va tester ces enfants-là ou bien qu'est-ce qui va se passer? Mon enfant qui va rester seulement à la maison, tous ces enfants dans la classe seront testés. Avant d'entrer en classe, ou bien le premier, lorsqu'il est déjà en classe et s'il est déjà en classe, tu vois, non? Et puis peut-être il y a deux jours après l'école ou dans la semaine, et puis l'enfant est testé positif. Donc ça veut dire que tous ces enfants qui sont dans sa classe, est-ce que ces enfants-là seront testés ou bien comment ça va se passer? So my question is, for example, a child is in class the first day or the second day, they get sick and they are tested and they are positive. They have COVID. The school is going, is the school going to test every single kid in that pod once that child is tested and everybody maybe is positive and those kids are going all going to go home? How are you going to act if that happens? Yeah. So So if someone gets sick in the school, someone is positive for COVID in the classroom, we help the Department of Health reach out and do the work that they do. We at that point they take over and they tell us what will happen. So likely the pod would need to get tested. That's my guess. But we'll wait for them to. We have to wait for them to tell us what we do then. Si par exemple ça arrive que un des élèves est malade. Il ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il pense que le département de santé, eux-mêmes sauront quoi faire. Si par exemple l'un des enfants est malade, il doit directement appeler le département de santé et eux sauront quoi faire. Mais il pense que bien sûr, si l'un des élèves est malade, ils vont devoir tester tout le monde pour savoir que tout ça ne continue pas à l'école. Okay. So I know there are a couple more questions, but I wonder if I maybe I keep going and maybe I answer some questions and then we have more questions at the end. Is that okay? So you better come fish individual so mulaka kanya agomba bandanye ivya rafise kuvuga hama ivyo bibazo bigumane hakagera ha bibazo muza kwibaza canke kindi kibazo kice kiza congereza ko muco mwibariza hamwe. Okay. So the je vois qu'il y a encore quelques questions à poser d'autres questions à poser, mais le temps nous fait peut-être défaut. Je vais continuer avec ce que j'ai à vous dire. Après ça, vous pouvez poser des questions. Est-ce que ça vous va? Okay, so the school day, some of the big things for the school day. The first is that athletics, sports, we are going to have sports starting on September 8th. They may look different, but we do plan to have sports this fall. Soccer, football, volleyball, so that students can still get out and run around. Ikindi yagomba kumamenyesha ni uko kuva itariki 8 z'ukw'icyenda abana basubiye ku ishuri, abana bazobandanya bakora ibyo kwinonora imitsi. Ntibazokina nk'uko bahora bakina kare, ariko bazokina umupira w'amaguru, bazokina umupira w'amaboko, bazogira siporo nka kurya bahora bayikora, ariko bizosa ukundi. Ariko abana bazobandanya kwinonora imitsi nubwo hatari ukuba hamwe n'abandi. Je voudrais vous dire, vous informer, enfin vous dire que quand les écoles vont reprendre, l'école va reprendre le 8 septembre, les activités physiques vont continuer, par exemple les enfants qui jouent au football ou au soccer ou au basketball, ces activités vont continuer. Ça va peut-être pas être comme ça a été dans le passé à cause des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui.
mais ses activités sportives vont continuer comme d'habitude. And the next topic is buses and transportation. So most of our students take Green Mountain Transit buses, or many of our students. And those buses are only going to have 18 seats for now instead of 24. So we're asking for as much as we can for families to find other means of transportation, because there won't be enough seats. We are worried there won't be enough seats on the bus. Hamikindi agomba kongera ko nibyerekeye amabusi ku bana bafata bus kujya ku ishuri. Ugambere kera bintu bikimeze neza muhari byicaro 20 ariko kubera izingwara bagize hazaba hari byicaro gusa 18. So basaba ko abavyeyi buja hamwe imijyango ikaja hamwe aho umwana umwe azanwa imodoka imwe ikazamwa abana benshi kugira ngo abana aho gufata amabisi bakaza bazanwa n'abavyeyi babo bashobora kuba bafise ukuntu bashobora kwiyunguruza. Maintenant, on va parler de transport. On sait que la plupart de nos enfants prennent le Green Mountain, les bus de Green Mountain. Dans les temps normaux, ou dans le temps normal, dans le bus, il y avait 24 enfants qui pouvaient aller dans le bus. Mais aujourd'hui, ça va être réduit à 18 enfants dans les bus. Ça veut dire que leurs enfants de nous aider là-dessus, puisque ça va être différent comme beaucoup de choses sont différentes aujourd'hui. Electronic devices. So a lot of the learning, students will not be in school every day. So we want to make sure that they have a computer or an iPad. So we have ordered Chromebooks, laptops, and for grades 3 to 12, and pre-K to 2 are going to have iPads that they'll be able to take home. Hama ikintu nagomba kongera ko nikuvyerekeye ama computer y'abana bazokoresha muhira. So twagomba tubabwire yuko kiri uyu mwaka abana kuva mu wa gatatu gushika mu 12 bazo bafise ama computer asanzwe, kuva muri gardienne gushika mu wa kabiri abo bazo baha ama iPad ntibazo bafise ama computer. Umva ivyo onye nivyo turiko turagira ko imbere ko abana batu niyo twatangura ishuri kiri umwana wese azo bafise computer cyangwa iPad azokoresha mu gihe bategereza kwigira mu rugo. Et en ce qui concerne l'apprentissage ou l'éducation normale dans les classes, ça ne va pas se passer tous les jours. Les enfants ne vont pas aller à l'école tous les jours. Il y a des jours, dépendamment des jours que les parents ont choisis, il y a des jours où les enfants seront obligés d'apprendre à partir de leur maison, à la maison. Et ça veut dire que les enfants auront besoin des ordinateurs. Les enfants qui sont en troisième jusqu'à en deuxième, eux, on est en train de chercher les ordinateurs pour eux. Mais ceux qui sont en bas de ces enfants-là, on cherche les iPads qui vont les aider à travailler quand ils seront à la maison. Donc ça va être différent. Les enfants devront utiliser des machines ou des ordinateurs quand ils ne sont pas à l'école. And in terms of food, we will have breakfast and lunch provided to all students, and students are going to be eating in their classrooms because students have to stay together, or outside if the weather is good for eating outside. And on the days when students aren't in school, we also are working to provide food on those days for people to come up and pick up food. Kubyerekeye ibifungurwa nuko abana bazora bafungurira mu ishuri, ubu ntibizorekurirwa ko abana basohoka ngo bagende, keretse igihe ikirere gisa neza abana bazosohoka bakicarana hamwe hanze. Abana bazoronka ibyo kurya byo mu gitondo, baronke n'ibyo kurya bya saa sita, nuko gusa batazova hamwe. Abana bazoguma hamwe bafungura, nubwo bazosohoka hanze bazotegerezwa kurira hamwe kugira ngo ujya mugwi ugumane hamwe. En ce qui concerne la nourriture, cette fois-ci, les enfants vont manger dans leur classe. Donc, les enfants devront rester ensemble. Ils peuvent soit manger en classe ou à l'extérieur. Mais même s'ils vont à l'extérieur, il faudra qu'ils soient toujours ensemble en groupe. Et donc, il va y avoir
pas qui vont suivre après. Mais ça devra se faire toujours en groupe, soit en classe ou en dehors de la classe. Mais il faudra qu'ils soient toujours ensemble. And then extended learning. So we will have after school programs in our elementary and middle schools. So those after school programs will also continue. Ikindi bongera ko nuko hazoba after school izoba andanya uyu mwaka nuko abana bazaza kabiri mu ndwi abazoba baje kabiri cyane baza kane bazoba bafise kwirirwa ku ishuri babishoboye. Et puis le programme de after school va continuer aussi. Ça va évidemment être différent de l'after school d'avant, mais dépendamment de l'horaire des enfants, si les enfants vont à l'école deux fois par jour, par semaine plutôt, ils vont avoir accès au after school ces jours-là. Et si les enfants vont à l'école quatre jours par semaine, là aussi ils vont pouvoir aller au after school sans problème. And the last thing is that when students are home, we want them on the remote day, we want to make sure that we're giving them good opportunities for learning. So the teachers will send assignments home and students will be able to work on them. And we don't want them sitting in front of their computer all day. So we want them reading, we're gonna give assignments where students can work together. Outside of school, online or on a computer, and then they will also be doing some work on their own. And we also are, as I said earlier, but we want to make sure that students who are learning English and students who have special needs have the option of coming to school 4 days a week. Abana kuba bari mu ishuri rya misi ibiri bataja ku ishuri abigisha bazobarukana ibikorwa bazokorera muhira. Ariko ntibashaka naho nyene ko abana igihe bazoba bari muhira baguma bari ku computer umunsi wose. Kuri ubwo rero bazobaha ibyo basoma, ibyo bakora, ariko ntibagume hamwe ku mwanya wari wo wose. Hama kuri bajya abana bakigisha icyongereza canke bajya bafise batari mu mashuri akwiriye canke bafise ibibazo byo kuba biga, abo onye nabo nyene bababwiye yuko bashatse wowe aho ko bakorera muhira bashobora kuja ku ishuri kane mu ndwi aho kujayo kabiri mu ndwi. Donc pour il va y avoir des étudiants qui vont apprendre à la maison, évidemment, les jours où ils ne vont pas aller à l'école, il faudra qu'ils continuent leur éducation à la maison. Et ce que leurs professeurs vont faire, ça va se faire. Donc il faudra que les étudiants et leurs familles fassent un effort pour que l'éducation, même si ça se fait à la maison, se passe très bien. Et donc c'est ça concerne les enfants qui vont aller à l'école deux jours par semaine, mais aussi nous avons fait en sorte que les enfants qui apprennent de l'anglais ou les enfants qui sont sur les IP, quand même on leur donne beaucoup plus d'avantages que les autres et qu'ils puissent aller à l'école quatre jours par semaine. And the last thing is that we are here to, if you have questions or if you need something that we haven't provided or something's not going well and it just doesn't seem right, I want you to reach out. You can reach out to your liaison, your teacher, your principal, and also to me. If there's something at the school that just does not seem right, please reach out to me through your liaison. We can talk together, and I want to make sure that you know that I'm available for you if you need anything. Hama ikindi nagomba kongera ko nuko igihe cyose abana bari ku ishuri cyangwa mwarungise abana bamwe ku ishuri ukumva ko hari ikibazo cyangwa ikintu kitabamereye neza cyangwa ibintu bitari kubera kurikwa neza, ndasabye yuko mubigira abantu abasiguzi, abigisha b'abana muzi, abantu bari hafi yanyu kugira ngo tumenye ko tworonkera icyo kintu nyinshi. Ndi hano kugira ngo tubakorere. Twese turi hano kugira ngo tubakorere. So igihe cyose mubona ko hari ikibazo mufise cyangwa ikintu kitagenda neza, ndabasabye nimba ari jewe ubwanje, muze munyibwirire cyangwa mumbaze ikibazo icyo ari cyo cyose. Hama igihe munkeneye mushobora kubaza abasiguzi, bazogira inama, hama nzoza twicare hamwe, turabe ingene twotorera ibyo bintu nyinshi turi hamwe. Aussi, nous aimerions ajouter que c'est très important, si jamais vous, les parents, les enfants ou la famille en général, aient quelques questions que ce soit,
s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec les interprètes, vos interprètes, ou les professeurs de vos enfants, ou moi-même, le surintendant. On voudrait vraiment s'assurer que tout se passe bien, que si jamais il y a quoi que ce soit, ou s'il y a une question quelconque, de communiquer avec nous. Et on aimerait vraiment travailler en équipe pour que, si jamais il y a des questions, on y trouve des réponses le plus tôt possible. And Miriam, did I miss anything that we need to go through? Anything major? Alors vas-y, Miriam, quoi t'as qui nous va guider, qui est comme elle, qui change, qui est comme Omenia, à qui va Miriam, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? On pourra discuter maintenant. Your first step. So you said something about A and B, right? Yes. So how are we going to know what class is going to be in? Because I got a young brother with Juan, and another one who's coming here, and he doesn't know exactly what class is going to be taking, A and B. So how am I going to find out about it? You should have gotten an email already. At the end of last week, we started sending out emails that tell you which section you're in. I didn't get an email because there was a little problem with people who enrolled later. So they're the team is working through that, right? Victor, they should call their email? Principal. No, it was email, text, and phone, and liaison call. Okay, so they should call the liaison, their liaison now? If they receive nothing. Yeah. Yeah, So reach out to the liaison. Everyone, it should be out for everybody now. But so if you haven't heard, reach out to your liaison. Or the school directly. Or the school. Yeah. Make sense? Yeah. Should we tell everyone that? Make sure. Moi vieux fils, vote. Urumva yabagize aravuga ati abana bamwe bamwe mwavuze ko ariho A na B none abana bacu bari muhira ariko ntibazi bari muri A cyangwa bari muri B none tuzomenya ko bazoginda kwa mbere no kwa kane cyangwa kwa kimwe kwa gatanu kuko twivyo navyo abana bacu navyo batubwiye hama acara babwira ati nanje abana banje sindabimenya hari kibazo cabaye ku bantu biyandikije mu nyuma ariko umutegezwa kwa mwarabimenye kuko hari email barungitse yerekana ikibanza cyanyu umwana wawe yemewe muri A cyangwa yemewe muri B hama kiretse ko umwandikishije ko mudakeneye ko umwana aja ku ishuri hama kuri ubwo niba mutarabimenya mushobora kubaza twebwe dushobora kuba tubizi abayobozi b'ishuri abigisha banyu niba mutabonye iyo text barungitse kuri telefone yanyu mu maboko cyangwa email bashobora kuca babibamenyesha So bari bavuze ko Miriam akeneye kuvuga ikintu mbere ko mubaza ibibazo. So acha abivuga acha abibasigurira. So as I'm waiting for the question. You have more questions? Yeah, no. It's okay? Yeah, yeah. Thank you. Excuse me. Yeah. Just what you just said, maybe I am in that situation. You see, they pick 4 days. You're both A and B. That's what I'm trying to explain. Sorry. It's okay. It's fine. Let me just I'll see if this helps. Okay. So originally,
at the beginning, we asked every family to choose A or B, and we recorded your answer. Then we decided, because students who are learning English need more time, that we would invite them to come A and B. So we made telephone calls to all of those families. Urumva yashatse kubabwira ati ubwa mbere tugitangura hariyo gutora kw'abana biga mu mugwi wa A cyangwa mu mugwi wa B iyo yari kabiri kabiri mu ndwi hama twarahamagaye turabaza icyo ababyeyi bifuza ibwa kabiri turasura turahamagara yuko bashobora kuja mu mugwi wa A na B bisigura ngo bazuca bagenda kane mu ndwi urumva gira abandanya ababyeyi kwikira. Initialement, au départ, on demandait aux parents de choisir entre le groupe A ou le groupe B, et les parents, donc nous les avons contactés. Certains parents ont choisi le groupe A, certains d'autres ont choisi le groupe B. Après ça, nous nous sommes rendus compte que les enfants qui apprennent de l'anglais, qui sont dans le EL department, ont besoin de beaucoup plus d'aide. Donc nous avons décidé, nous avons fait en sorte que les enfants, on leur donne beaucoup plus de jours que les autres. Donc on a décidé que les enfants, on n'a pas décidé, mais on a proposé aux familles que leurs enfants pouvaient aller à l'école pendant les jours A, mais aussi pendant les jours B, donc 4 fois par semaine. So if you received a phone call from Alicia or Chacha, probably they asked you, would you like your children to come 2 days or 4 days or to learn remotely? And if you said 4 days, then yes, we will welcome your children for 4 days. If you said 2 days, we will welcome your children for 2 days. If you said remote, we will support your children in learning remotely from home. Whatever you chose, especially if the difference between 2 days and 4 days, if you said 4 days, the answer is yes. Please send your children 4 days. Hama obzati nibaza yuko Alicia cyangwa Chacha bo barahamagaye kugira ngo babaze ko bifite ko abana bandi bazogenda kabiri mu ndwi muri group A, kabiri mu ndwi muri group B, cyangwa kane muri group A no muri group B hamwe. So igihe babahamagara mwaratoye, nimba mwatoye kane mu ndwi, mumenye ko abana bandi bazora bagenda kane mu mundwi. Nimba mwatoye kabiri mu ndwi, abana bazogenda kabiri mu ndwi. Ivyo navyo barabibamenyesheje, nimba batarabibamenyesha muzobibwirwa. Nimba mwatoye ko mukeneye ko abana badakeneye kuja kushuri bashobora kwigira muhira, ubwo nabwo babikoze gutyo, hama hazoba hari abantu bazobafasha abo bana bazoba bariko birigira mu rugo nk'uko abavyeyi babo babisavye. If you did not receive a telephone call. Oh, so sorry. Sorry, sorry. Yeah, that's okay. Donc si après ça, donc nous avons dit que les enfants des familles qui ont les enfants qui apprennent de l'anglais devraient aller à l'école 4 fois par jour. Quand nous avons trouvé ça très important, nous avons donc demandé à Alicia et à Sacha à contacter leurs familles, les familles, et leur demander quel était leur choix final. Soit les familles choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école 2 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Donc si Alicia et Chacha vous ont contacté, vous avez déjà fait votre choix. Mais si cela n'est pas encore fait, ne vous inquiétez pas, ça peut toujours être fait. Et voilà, donc c'est à vous de choisir. Yeah, following what Mr. Celeste said earlier, we can't invite everybody to come 4 days. Only students who we know are still learning English. If you believe your children are still learning English and you did not get a phone call, so you don't know, you can talk to me when we're finished today and I will tell you if you should have received a phone call. Alicia can also help you. Kuja ku ishuri kane mu ndwi byahawe gusa abana baciga icyongereza cyangwa abana bafite ibibazo ku ishuri byo kwiga. Abo ni abo bantu bonyine bemere kuza ku ishuri kane mu ndwi. Nimba rero umwana wawe batigeze bamuhamagara kugira ngo agende kane mu ndwi, aha mukumva ko ubivyipfuza, murashobora kuvugana na Miriam igihe dutahane mutaye kugira ngo muvugane ababwire ingene bimeze, cyangwa murashobora kumbwira kugira ngo ngende kubihindura ndabandikishe kane aho kubandikisha kabiri mu ndwi.
pas à voir tous les enfants du district aller à l'école 4 jours par semaine. Nous avons sélectionné ceux qui en avaient besoin seulement. Donc, ça veut dire les familles qui ont les enfants qui apprennent de l'anglais. C'est ces familles-là qui sont qualifiées à choisir 4 jours par semaine. Donc, si vous n'avez pas encore été contacté et si vous trouvez que votre enfant apprend encore de l'anglais et a besoin d'aller à l'école 4 jours par semaine, vous pouvez soit me parler à moi, Myriam, et je peux vous aider là-dessus, ou vous pouvez parler à Alicia ou à moi-même pour qu'on vous aide là-dessus. And finally, I just wanted to say that if your children are coming 4 days a week, we will not be just teaching the same thing all 4 days. We will try very hard to help them learn more English and also to help them move forward in school. We have one of our teachers, Miss Brown, Heidi Brown, sitting right here. She teaches English to speakers of other languages here at Flynn. Every school has special teachers like Heidi who help students to learn English, and they will be giving extra time to students to help them with English. If hama haguma dawagire yuko kubana bazogenda kane mundwi ntibazokwiga ibintu bimwe ijya misine yose bazobagenda kushuri twashize hamwe ikigwa kugira ngo ijya misose bari koragenda kushuri bazokwiga ibintu bitandukanye na cyane cyane dufashe abana bazo bari kwagenda imisine ikiringo baronse imisi myinshi kwigisha icyongereza ku buryo igihe bazogaruka bazo bibaza ko bari ku rugero rumwe nk'abandi niyo mpamvu twafashije abo bana cyane rero hari umwigisha yigisha icyongereza ngaha nka mwigisha yigisha ngaha kuri Flynn nawe ni Miss Brown muramubona ngaha yabaramukije yagomba babwire yuko ari ngaha kugira ngo afashe abana igihe cyose bari hamwe kugira ngo we n'abandi bantu bari hamwe uwo mugwi biga ingene bazofasha abo bana bazoza kane mu ndwi ntibiga ibintu bimwe basubiramo ibya bindi nyene bazoze bariga nk'uko bari basanzwe biga mu gihe cy'ishuri gisanzwe. Non, vous ne devriez pas vous inquiéter. Si nous avons dit que les enfants qui apprennent de l'anglais devraient aller à l'école 4 fois par jour, et si les familles décident ainsi, les enfants ne vont pas apprendre que de l'anglais. On va leur apprendre aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de choses qu'on va leur apprendre. Donc il y a un programme qui a été mis en place ou qui sera mis en place qui va justement aider ces enfants à évoluer au niveau de leur éducation. Et donc, ce ne sera pas que de l'anglais. Et nous voudrions que, quand l'école va reprendre normalement, que ces enfants aient fait beaucoup de progrès pour qu'ils soient dans le même niveau quand l'école reprend normalement. Nous sommes ici aujourd'hui avec Heidi Brown. C'est un des professeurs qui apprennent de l'anglais. Et elle est en train de travailler avec les autres justement pour mettre en place ce programme qui va aider vos enfants à bien évoluer, à l'école. Yeah, Morocco. Merci. Ibibazo. Bazoba umwanya
woko kila ngo mashire nka maske ku hani baruko. I have three questions. My first question is about the bus. You talked about the Green Mountain, but you did not say anything about the yellow bus for the student on IEP. So is there going to be a yellow bus to go pick up the kids? They used to pick up the kids to bring them to school, or parents will have to bring those kids on their own at school? The second question is about PAD. You told us that kids are going to stay in the same place. They are not going to move from one place to the other. But we know that there's different subjects. So does the same teacher going to teach the kids throughout the day all the subjects at the same time? Or kids will come, or another teacher will have to come? How is that going to be happening? My third question, which I got to try good. My third question is about masks. So kids are going to have masks for a very, very long time. Is there going to be a time where there will be time where the teacher will ask the kids, or is there anything in the schedule where kids will have to take the mask off, take a deep breath, be okay, and then put the mask back for a little bit, or they have to keep the mask throughout the time where they are in school? Okay, so... Ciao, ciao. J'ai trois questions. La première, c'est vous nous avez parlé de transportation, de transport. Vous avez dit qu'il va y avoir le Green Mountain, les bus normaux que les enfants prennent tous les jours quand ils vont à l'école. Mais nous savons aussi que les enfants qui sont dans les IP, les programmes de IP, ont leur sorte de bus spécial. Qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont y avoir un yellow bus qui va les prendre et les amener à l'école et leur faire entrer à la maison? Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Et la deuxième question, c'était, vous nous avez dit que les enfants vont rester en groupe dans les mêmes classes, ne vont pas se déplacer beaucoup. Et nous savons que les enfants ont beaucoup ils ont des cours différents, des programmes différents. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les professeurs vont devoir se déplacer vers les enfants, ou qu'est-ce qui va se passer? Et la troisième question, je n'ai pas très bien compris. Qui va te salat à toi, Lissiette? Ça vous donne mieux. Yabajeje, abana bazogira igihe babaha kukura masque igihe bari mu ishuri, ko bazoba bafite masque umunsi wose, bazoba umwanya kugira ngo bakure masque gato baheme, hamba bayisubize ko cyangwa bazogumana masque umunsi wose bari ku ishuri. Et la troisième question, c'était à propos des masques. Vous nous avez dit que les enfants devront porter leur masque à l'école tout le temps. Mais nous savons que c'est quand même une longue journée être à l'école. Est-ce que les enfants auront l'occasion de respirer, d'enlever leur masque et de respirer un peu? Pouvez-vous nous expliquer comment ça va se passer? So, students with IEPs will... Students with IEPs will still be able to take the bus. So if they have a bus for an IEP, they will take a bus. And for masks, we will do mask breaks. It's hard to wear a mask all day long, but we want masks inside. So we are going to use outside spaces, and then students will have a chance to take their mask off, get a break, and then put it back on. So schools are thinking about how to build that into their schedule. Ku byerekeye bisi, hazoba bisi y'abana bari kuri IP izoja kubatora yellow bus igihe bazoba bisabwa yuko bafata bisi kugira ngo baze ku ishuri. Ku byerekeye amamask, nuko hazogira igihe bibaza yuko abana bazokura amamask, bazovyita ko ari igihe cyo kuruhuka kwa mask, ariko ivyo kugira ngo bibe abana bazosohora hanze kugira ngo bakure masque baruhuke, hama basubire mu ishuri babandanye ibyivyigo. Ariko azogira igihe abana ko baruhuka kubera kugumana masque umunsi wose, si ibintu byoroshe ku bana. So ishuye bibiri rinda twumvira icya gatatu. Ok, en ce qui concerne les bus, les enfants qui sont sur IP vont avoir leurs bus spéciaux. Donc ça va continuer, il va pas y avoir de problème là-dessus. Et pour les masques, les enfants vont porter les masques
tout le temps, mais ils auront quand même le temps de respirer. Par exemple, quand ils vont en dehors de l'école, que ce soit pendant la récréation ou autre, les enfants vont avoir l'opportunité ou l'occasion d'enlever leur masque, respirer un peu, mais retourner les masques sur leur visage quand ils retournent dans leur classe. And then when there are multiple subjects, so mostly in middle school, but also in elementary school, when there are multiple subjects where there are different teachers, for the most part, the teacher is going to come into the classroom and the students will stay. So in middle school, you have English and social studies taught by one teacher, and science and math taught by another teacher. The students will stay in the same class, and the teachers are switching in middle school. In high school, the students will still go to four different classrooms, so they will move in high school. Kubana bari muri middle school bafata ivyigwa bine hama kiri umwigisha umwe atanga ivyigwa bibiri, so bisigura ngo abana bazokwigishwa n'abigishwa babiri. So ico gihe abana bo ntibazosohoka muri middle school, bazoguma mu ishuri barimo. Umwe amwigisha yigisha bibiri azoza yigishe asohoke, hama uwigisha ibya kabiri bibiri bisigaye aze yigisha asohoke agende. Ariko kubona bari muri high school bazosohoka kane, bobo bategerezwa gusohoka kane mu ishuri, bobo ntibazoguma mu kibanza kimwe, bazogenda bagende kane gatandukanye ivyo vyigwa vyabo kugira ngo bihere. Niho nyine hazoba itandukaniro rya hagati ya middle school hamwe na high school. Donc pour ce qui est de LMM, la plupart du temps, les professeurs vont se déplacer, vont aller dans les classes des enfants, sauf dans des cas peut-être exceptionnels. Par exemple, en middle school, nous savons qu'il y a un professeur qui apprend donc les sciences ou social studies, des choses comme ça. Souvent, les professeurs vont se déplacer vers les enfants dans leurs classrooms ou leur classe. Mais pour ce qui est du high school ou de l'école secondaire, là, les enfants, les étudiants vont se déplacer d'une classe à une autre. Donc, ils vont aller dans quatre classes différentes, donc comme d'habitude, quoi. And I have a meeting at 5:30, so I have time for probably two more questions. So afise kuja ku mu yindi nama ya saa 11 na nusu. Afise kufata ibibazo gusa bibiri bisigaye amacha karangiza. So the parents will be the idea, the hope is for parents to bring students so that they can make sure they get in and get the temperature check, so that if they have a temperature, they can go back with the family. But it won't be perfect every time, because sometimes kids are on the bus, right? And then temperature is just once a day, in the morning. Yarabajije ariko aravuga ati none bazofata amatemperature y'abana cyangwa ubushuhe bw'abana kangahe ku munsi. Hama aramwishura amubwira ati izoba ari rimwe gusa, kubera aravuga ati birashoboka ko umwana azoba ari muri bisi hama agasubira agashika ngaha, ariko bazomufata gusa ubushuhe rimwe gusa igihe aje ku ishuri. Hama aravuga ati igihe ushikanye umwana minota itanu irakwiriye ko bagufata temperature akinjira mu ishuri, hama nkamenya ko umwana wanjye arwaye cyangwa akomeye bakamuma cyangwa inkoma. Aravuga ati ni nk'iminota itanu hama imbere y'uko bakubwira inyishu ibyabaye. Non, le surintendant disait que dans quelques minutes il va falloir qu'il finisse cette réunion, puisqu'il a une autre réunion donc dans 5 minutes. Mais il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir comment est-ce que ça va se passer la prise de température, combien de fois ça va se passer par jour. Et donc il a dit que ça, normalement ça devrait se passer une seule fois par jour.
le matin, c'est mieux que ça se fasse le matin, parce que quand on le fait le matin, on sait que l'enfant doit être suivi de près quand il est malade, et à ce moment-là, on prend des dispositions nécessaires à ce niveau-là. So ugomba kubaza yuko umwana agenda ni bus bishobotse ndamubaza ariko bishobotse nawe urabibona yuko byo bavyiza yuko umwitwarira kwera muri bus nshobora kumenya ni ndari yo kanini ndagwaye kwera bavufatira temperature bashitse muri bus bwa mbere bishoboka bidashoboka naho urumva nta kundi bisigura ngo nta kundi nta yindi nzira ufise agenda na bisi hamba akakubwira ibyabaye hamwa we ujya wundi utwara n'amaguru kagenda umutwaye ukaraba yuko atagwaye cyangwa agwaye ndamugira nyishure ariko nibaza yuko ivyo nawe umuvyeyi ibaze none ubucugirike uzocureka umwe asigere muhira no si ivyo nyene uzogira okay so how so she has a I was trying to answer her question she say in case a parent has two kids one has to take a bus going to school maybe he's a middle schooler and the other one is in elementary school where I can walk and take her to school do I need to take the other one do I have to drop the other one I was like I mean you don't have any choice the one that you can walk with you walk with her or him at school and the other one that has to take the bus they will take the temperature before he enters the bus and then he will go to school that's okay. And I think a lot of our middle school high school students are gonna ride the bike walk take the bus they won't go with their parents but a lot of elementary school And it's it, so I would say that's fine to go with your elementary school student. So the coach will be to Zanugamuto, Hamugamukura Kavari Shore. Okay, I really want to thank you for coming out tonight. Thank you, Miriam, and everybody for making sure that this could happen. It was great to meet you. And also I'm gonna have an advisory parent advisory council. So if you're interested in being on an advisory council for me to help me work with families and understand what families need, we'll be sending that around in the next couple of weeks. So abuzati murakoze cyane kuba mwaje kwitabira inama aragiye cyane kubibazo mwabajije no kubashowe kubishura aravuze ati hari igikorwa cy'abantu bazoba bafasha kumpanura kuvyerekeye ingene nzotwara ishuri n'ingene nzokora nimba hari umuntu n'umwe muri mwebwe yibaza yuko ashobora kumfasha cyangwa ashobora kuja muri uwo mugwi nzoba ndamugika email cyangwa ibi byerekeye kugira ngo muyandikishe muzoze mufashe bizongera kuba namwe muri mu kugira ngo mumbwire gute dushobora gufashanya kurera abana bacu Chacha on va terminer ici merci d'être venu mais avant de terminer il y a une dame qui avait posé la question de savoir si j'ai deux enfants qui vont dans des écoles différentes un enfant va dans elementary et l'autre dans middle school qu'est-ce que je vais faire là-dessus si je peux par exemple faire marcher un enfant dans une école et l'autre prend le bus, qu'est-ce que je peux faire donc le surintendant a répondu si vous pouvez le faire marcher si l'enfant peut marcher, il peut y aller et laisser l'autre enfant prendre le bus, il devrait pas y avoir de problème là-dessus et puis donc le surintendant vous remercie d'être venu il vous dit qu'il y a un groupe dans lequel, si vous êtes intéressé, vous pouvez y faire partie. C'est un groupe qui donne des conseils. Si vous avez des suggestions, des conseils à donner, vous pouvez nous dire si vous êtes intéressé. On peut vous mettre dans ce groupe-là. Mais sinon, merci d'être venu aujourd'hui.